Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstein de Planet Total War. J'espère que vous allez bien, moi ça va super, je suis motivé aujourd'hui. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Age of Mythology Extended Edition pour la suite de notre campagne avec l'Atlantide. Donc lors du précédent épisode nous sommes allés en Grèce pour essayer de voir pourquoi les Grecs nous ont attaqué, le pourquoi du comment. Et on avait réussi à éliminer le général Mélagius. Et on s'est aperçu ensuite que c'était le début des problèmes parce qu'on a vu que la Scandinavie et l'Égypte nous ont trahis. Du coup, là, on va essayer de voir remettre les Scandinaves à leur place, ainsi que les Égyptiens, je pense, dans la prochaine mission. Et du coup, là, on vogue sur les terres du Nord. Donc, notre objectif, apparemment, ça serait une tour d'Odin, qui soit une tour, une merveille, un truc magique, je sais pas quoi. Bien fait de venir ici, chef. Les Scandinaves ne s'attendront pas à être attaqués sur leur sol. C'était le but. Nos éclaireurs n'ont vu que quelques troupes scandinaves dans le coin, mais le terrain est plein de falaises. C'est là qu'ils ont bâti leur temple. Nous devrions y trouver des soldats. Le temple d'Odin est notre cible. Nous avons envoyé un message aux Scandinaves. Donc voilà. Donc on va vite créer des citoyens parce qu'on va avoir besoin d'une économie. Je vais aussi commencer à construire des maisons parce qu'on va avoir besoin d'une, à mon avis, pas mal de soldats. Donc ce que je vais faire tout de suite, premier bâtiment, une guilde économique pour essayer de vite améliorer mes citoyens. Derrière, là je vois qu'on pourra rien. Là il y a beaucoup de bois dans ce point, c'est plutôt pas mal. Les maisons. On va pas trop traîner parce qu'à mon avis, on va avoir du monde à gérer. Excellent. On va faire 3 maisons pour commencer, 3 manoirs si vous préférez. Ensuite, je vais regrouper mes forces présentes. Il y avait un truc, je me souviens dans cette mission, je sais plus ce que c'est. Mais il me semble que cette forêt, il y a un truc qui se passe. Je crois qu'elle est cramée ou quoi. Je me souviens plus si c'est un pouvoir divin. Donc bon, et vous, je vais vite construire 2 casernes. Pourquoi? Parce que je vais avoir besoin d'un max d'unités. Bon là par contre on n'a plus beaucoup de ressources. C'est un peu problématique. Bon, j'ai tout de suite développé le truc de Réa après pour avoir plus de faveurs rapidement en lien avec mes forums. Bon. Ça va pour le moment. Il faudra aussi que je reconstruise vite un temple. Et je construirai peut-être une forteresse ici pour protéger. Ah. Encore une vache. Donc ça fait 3 bestiaux quoi. Donc vous allez chercher la nourriture ici. Vous, l'or là-bas. Et il me faudra des bûcherons. Ouais. Donc, je vous ai dit la nourriture les mecs. Hein. Oh, il y a le land garnison. J'avais oublié que j'avais mis ça. Bon, heureusement mes citoyens peuvent sortir. Ça c'est cool. Je vais tout de suite y aller. Qu'est-ce que je voulais faire déjà? Ça pourrait être pas mal la maille d'oricalque pour la suite. L'armée de Castor là, où est-ce qu'il est Castor? Vous restez pas loin, j'ai pas curieusement, je le sens que le traquenard vite venir. Excellent travail. Je vais faire vite l'élevage pour les vaches, comme ça on aura plus vite de la nourriture, du bois, de la nourriture en plus. Là j'essaie de rusher un peu parce que je sens que ça, quand ça va me tomber dessus, ça va être assez impactant si vous voyez ce que je veux dire. Faudrait que je fasse quoi, de la cavalerie ou des huscarles? Allez, je vais faire 4 cavaliers. Parce que, bon, ils sont bons contre les archers, vous me direz, mais je pense que contre les certaines unités scandinaves, ça pourrait pas être de trop. Et je vais essayer d'envoyer mon... Alors, il est où mon oracle? Ah, il est là. Et je vais le mettre là, parce que, à mon avis, je sens que l'attaque va venir d'ici. Hein. Hop, parfait. Je vais aussi créer un temple, déjà. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'unités mythologiques. Et comme je suis avec le pouvoir de Prométhée dans mes souvenirs. Donc bon, on va essayer de faire ça bien. Ah, ils vont pas tarder à attaquer. Là, ça pue. Je vais vite former des myrmidons. Allez, hop, production infinie. Et je vais aussi faire une contre-caserne pour avoir les chirobalis. Ça pourrait être pas mal, ça, contre l'infanterie. Voilà, vite. Faut pas traîner. Donc là j'ai créé à l'infini en fait. Donc là j'essaie de constituer une armée assez rapidement. C'est compliqué hein, je suis d'accord. Ici la chasse là ça sera pas utile pour le moment. Je pense que si je produis un groupe de 4-5 myrmidons ça pourrait être pas mal déjà pour débuter. Excellent. Et tu vas me faire combien? Est-ce que je peux en faire 2? Ah, je peux en faire qu'une pour le moment. Ok. Bah tu vas te mettre là aussi tu vois. Bon,
Pas de panique, pour le moment ça se passe plutôt bien, je dis bien pour le moment. Donc, par contre, je crois que je vais créer un autre citoyen, donc 125 fois 3, ça fera 375. Hop, j'ai déjà en créé. Plus j'aurai de citoyens, mieux c'est. Je sens que. Ah bah tiens, un fort de la colline scandinave, qu'est-ce qu'il fait là? Eh bah voilà, on va le déconstruire, ça va les ralentir un peu. Ah, je l'avais dit qu'ils allaient attaquer. J'ai bien fait, deux chirobalistes, évite. Heureusement que j'ai pas mis de bâtiment tout de suite à côté parce que je pense qu'on serait pris une vaste armée sur la figure. Donc là j'ai déjà 7 myrmidons de près avec 4 Contari. Contarius, pardon. Bon bah là ça tombe. Hein. Les Huskarls là c'est quoi? C'est 8 Huskarls, ok. Bon, au corps à corps ils sont pas très bons, hein, faut le dire. Feu 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 feu. Allez les gars, go go go, on intercepte l'armée. Regardez. Voilà, bah, hop, ça tombe comme des mouches, c'est très bien. Beau travail. Voilà. Première attaque de repoussée. J'ai combien de myrmillons là? Je vais en faire une douzaine, je pense. Ça pourrait être pas mal pour débuter. Et je vais faire 3 ou 4 chirobalis, ça devrait être pas mal. Et les destructeurs, je vais les fanatiques et les destructeurs, je vais les garder un petit peu en retrait parce que les fanatiques, malheureusement, je ne pourrais pas en avoir dans cette partie parce que je vous l'avais dit précédemment, on ne peut pas les avoir avant l'âge mythique. Donc toi, tu vas me chercher de la bouffe là-bas. Toi, tu vas me chercher de l'or parce que ça urge. Et là, je ne peux plus rien produire pour le moment, j'ai l'impression. Je suis à combien? 10, 11, il ne manquerait plus qu'un. Ah! Oh, mais ils sont vénères là. Par contre, là... Attention, il y a un convoi scandinave. Vite, allez-y, vite, avant qu'on perde nos chirobalistes. Les Huskarls sont très efficaces contre les cavaliers, je crois. Bon, bah là, la Valkyrie, elle est vite décédée. Bon, on a pris pas mal de pertes, mais bon. Ce que je vais tenter de faire, c'est d'aller attaquer le fort de la colline. Pourquoi? Je sais pas où ils sont, les autres, mais... Je pense qu'avec mon arme actuelle... Alors, j'ai combien d'unités? J'en ai 13, ouais, ça devrait... Donc, pour le moment, je vais arrêter la production. J'ai plus de nourriture, ça c'est pas bien. Du coup, vous trois, vous deux, vous allez me chasser ces bœufs. Oh, pauvre myrmidon, je t'ai oublié. On va vite. Oh, ils ont un temple là, d'accord. Bon, on y va, on y va. Allez. On s'en fout, on va aller rusher le fort de la colline. Vous deux, vous occupez de ça. Donc là, la chirobaliste encaisse plutôt pas mal les tirs de ce que j'ai vu. On va vite la faire sauter parce que la forteresse, parce qu'elle va être chiante. Et je pense que la base ennemie n'est pas loin. Bon, j'ai pas une chirobalise dans le tout, mais c'est pas grave. Oh, une colonie, ça c'est bien. On va pouvoir étendre notre civilisation. Donc là, plutôt vous occupez par là. Là, ils veulent venir emmerder le monde. Bah, bon, ça va être vite fait. Ah, j'ai 3 chirobalistes qui se sont produits. Bon, bah, on va les ramener. Hein. Plus de chirobalistes. Voilà, très bien. Encore un. Ouais, en gros, fallait vite rusher là, de toute façon. Les petits urbanistes, là, j'en ai perdu une, mais bon, 3 plus 3, ça fera 6. J'ai commencé à faire des améliorations. Alors, ça, c'est bien. Rhea nous accorde une réduction des coûts d'unité. Bon, 3 contre 1, je doute que tu t'en sortes, Coco, hein, faut pas déconner. Bon, déjà, on a repoussé un peu les verts. Par contre, je manque de destructeurs, hein, clairement. Mais bon, je compense avec le fait que j'ai des... Comment ça s'appelle? Des chirobalistes, parce que vous avez vu, contre les bâtiments, c'est plutôt efficace. Va peut-être falloir que je produise une armurerie aussi un jour, tiens. Parce que si je vais avoir des soldats résistants... Donc là, je vais faire ça. Je vais faire une ou deux forteresses pour protéger les avants de ma base. Et une tour ou deux. Est-ce que je peux t'améliorer en citoyen? Non, pas encore, je vais attendre. Je vais faire, dès que je peux, le cœur de Prométhée pour réduire les coûts de transformation héros. Ça pourrait être sympa. Ah, il y a un corbeau d'aube là-bas. Je pense qu'il faut vite avancer à la base là. Une fois qu'on aura détruit les premiers gardes, ça va. Les premiers là, je pense que ça sera plus tranquille. Les autres, ils sont. Je crois pas qu'ils aient accès à notre base. Il y a une relique là, c'est quoi? Ça, c'est pas mal, la ceinture d'Hippolyte. Oh, une tour. Feu, feu, feu. Détruisez cette tour.
Chirobaliste lourde, excellent. Plus puissante, moi je dis pas non. Les chirobalistes doivent les rester là. Je vais utiliser Castor là. Ouais. Bon bah là l'infanterie, regardez les dégâts que ça lui fait. Bah, en même temps c'était un peu plus précis, mais bon. Je vais garder ce temple là, je vais faire d'autres temples. Je vais faire mes réserves de temples. Je vais le mettre là, le premier que je téléporterai. Parfait. Chirobaliste. Par contre, qu'est-ce qui peut être bon contre les hussards? Il y a quelques archers peut-être. Je vais en faire deux, ça peut être pas mal. Ouais, j'ai plus. Alors, qu'est-ce qui va plus? J'ai plus assez de nourriture, ça pue. Ils se regroupent là, c'est assez curieux quand même. Hein. Ah, ils construisent un port, le sac. Ah, d'accord, t'es comme ça, toi. Ouais, oula, oula, oula. Eh, hey, oh, 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 doucement, les mecs. Oh, des hussards. Du coup, on va déconstruire quoi? La tour, hein. On va affaiblir les défenses ennemies. On va essayer de rusher leur forum aussi. Chirobaliste, feu. En plus, la chirobaliste lourde, c'est pas de la gnognotte. Regardez. Vite, les gars, rusher le forum. Là, il faut raser leur défense, là. Vite, feu, feu sur le forum. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va suffire? On va commencer à produire des destructeurs en masse parce qu'on va en avoir besoin. C'est où la production finie? Ah, c'est là, parfait. Vite, rasez-moi ce forum. Si on rase leur forum, c'est gagné. Ou ça va être compliqué à mon avis. Vite, feu, 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 feu. Allez. Allez. Les hercires tombent comme des mouches, c'est excellent. J'ai perdu. Ouh, j'ai pris cher, mais je pense que le forum est quasiment cuit. Hein. Vite, rasez le forum, rasez le forum. On s'en fout du reste. Ouf. On a eu chaud. Oh, une Valkyrie, attention. Projet Valkyrie lancé. Oh putain. Oh, cette base, ça va être compliqué. Castor il est là. Par contre, j'ai recruté des destructeurs lourds, des Arcus. Il me faut le max d'unités possible. Par contre, mon économie, elle suit toujours pas. Ça va être un peu long. J'ai un groupe de destructeurs là, ça devrait aller, je pense. Je vais vite les transporter en renfort. Pour ce qui reste. Voilà. On va débarquer avec quelques renforts supplémentaires. Là, on va raser leur base. Il faut détruire tous leurs bâtiments militaires. Hein. Donc, bon. Occupez-vous de ces casernes là-bas. Je suis sûr, le temple est pas loin. On va y arriver. Du coup, bon, on a perdu toutes nos chirobalistes. Enfin, ah non, non, encore deux. J'ai rien dit. Quelle mauvaise langue je suis. Alors, il y a quelque chose qui me fait mal. Je sais pas où c'est. Ah, d'accord, j'ai compris. Rasez ça, parfait. Vous allez arriver dans le nord, on va avoir besoin de vous. Là, on n'a plus de nourriture. Et les vaches, elles en sont où? Oh, elles peuvent encore engraisser, ça c'est bien. On va ensuite aller à cette mine d'or, très bien. Donc là, on a pas mal d'hommes qui arrivent, hein, ça fait plaisir. Oh là, mon économie, elle s'est arrêtée là, brutalement. La forêt là. Vous deux, toi. Tu fais rien, tu vas aller à la nourriture, tiens. On va faire un port de pêche ici. C'est pas grand chose pour certains, mais bon. Il faut vite détruire leur village ou un. Sans ça, ils sont finis, hein, clairement. Vous nous occupez, moi, de cette base, là. Oh, mais ils ont encore des... Ça va, ils se font plaisir, quand même, les Scandinaves, hein. Là, je ramène mes renforts. Enfin, mes petits renforts, oui. Eh, hey, mais vous avez quoi ici? Il y a du miel ou quoi? Oh, j'ai 4 villageois au bois. Ça, c'est pas, ça pourrait être pas mal. L'or, c'est bon, mais la nourriture, ça suffit pas encore. Donc là, je vais vite booster l'achat. Ça peut être pas mal. Donc ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Il me faut plus de nourriture. Oh, le roc, il charge. Là, il est motivé. Alors, toi, tu m'en fais un là. J'avais juste avoir besoin de 2 navires de pêche, ça me suffira.
Une nouvelle relique. Ouais, l'éclaireur Pégase, ça va pas me servir à grand chose dans ce scénario. J'ai vite rushé le vert parce que je savais qu'il allait être dangereux. Comme ça va me laisser le temps de pouvoir faire mon économie tranquillement. Par contre, j'ai pas détruit toutes les fermes ici. Ça pourrait servir après. Ah, voilà le temple d'Odin. Enfin, l'un des premiers temples qui garde le temple d'Odin. Le gros. En tout cas, les destructeurs, là, ils ont fait le job. Hein. Là, je peux pas dire le contraire. J'ai pas utilisé des constructions sur ça. J'ai utilisé mes deux qui rebaillent sur le temple pour les détruire tranquillement. On a deux myrmidons renforts ici. Parfait. Et je vais faire la technologie de mon oracle qui augmente le champ de vision. Ça peut être pas mal. Voilà. Le temple, vous voyez, il commence à se désintégrer. Là va falloir j'arrête un petit peu la production de troupes, stop pour le moment, et je pourrais faire pas mal de bâtiments de ce que je vois. Par contre il va être chiant lui ou quoi? Attends, j'ai une idée, viens là toi, regardez, ah j'ai encore un couple là, tiens, occupez-vous de lui. Est-ce que le temple est bientôt rasé? Oui, excellent. Raser cette caserne parce qu'on va encore des unités qui popent dans nos dos, ça va être agaçant. Excellent, donc déjà, alors le temple là, premier temple, bonjour, bienvenue, voilà, un des trois déjà, plus que deux. Mais je sens que les combats là, ça va être très intense à chaque fois. Les gardiens centraux, je sais plus ce qu'ils veulent, mais... Hop. Mon unité là, vous l'avez eu, félicitations. Vous allez là-bas, vous allez me le détruire. Voilà, très bien. On a une relique là, mais bon, je vais pas la prendre avec leur Pégase, j'en vois pas l'utilité. On va explorer un peu la zone pour voir s'il n'y a pas d'autres trucs pour découvrir. Des bonnes surprises, vous savez. Excellent ici. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? L'armurerie, je l'ai faite, ouais. Ah non, je l'ai pas faite, je crois. Ah si, elle est là, j'ai rien dit. On a plus d'or, ça c'est pas bien. Mais bon, on n'a plus d'or, mais on va faire des forums. Chercher la logique. Et je vais vendre. Je construis aussi un marché pour mes ressources, parce que je vois que j'ai pas mal de bois en ce moment. Voilà, parfait. Hop. On a le marché de développer. On va essayer d'explorer par là. Il y a peut-être un truc qu'on n'a pas vu. Là, il y a beaucoup de nourriture. C'est plutôt une bonne chose. Ah oui, j'ai pas fait le truc pour transformer mes citoyens. Pour transformer mes héros en moins cher, quoi. On a de l'or, là. Ça, c'est bien. Et ça, c'est quoi? Oh, ça, c'est une bonne relique, ça. Ah, moi je dis oui. Donc là on a les gardiens centraux. Ok. Ouais. Et là je sais pas, il y a encore un mariage ou quoi. Pff. Mais c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de tourner ma vidéo. On explore, ouais. Et il va me falloir faire de l'infanterie lourde. J'en ai besoin, mais énormément. C'est vital. Félicitations, cœur des titans. Tac. Citoyen, récupérez cette relique. Ça peut être pratique pour notre oracle. Nourriture. Hop. Ou alors, attends, j'ai une idée, on va faire tout simple. On groupe tout le monde là. Voilà. Prochain déplacement dans une minute, ça va quoi. On n'est pas une minute près, les gars. Ouais, ouais, il y a assez de bois là, les amis. Par là, par contre, ça serait cool. Alors ici on a assez de bois, on a assez de nourriture ou pas, non. On va s'occuper de nos vaches, tiens. Et c'est tout. Par contre il nous manque un citoyen, j'ai l'impression. Non? 3 au bois, ouais. 3 à l'or. Ouais, bof.
Donc là, ouais, vous voyez, pas besoin de guilde. Et là, pour coloniser ce forum-là, pour les fermes, ça pourrait être cool. Mon oracle, il est dans le tas, ouais, je crois. C'est con qu'on peut pas avoir la régénération, là. Et je crois qu'on peut faire... Oh, des behemoths, ça pourrait être cool, ça. Par contre, on va explorer... non. Non, 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 j'ai rien dit, je reste là. On va vite booster, développer l'infanterie lourde, parce qu'on en a besoin. Et ça permettra aux destructeurs de se débloquer, enfin, de devenir plus forts encore avant de devenir des héros. Là j'ai une dizaine de myrmidons, deux chirobalistes, bon, elles ont un peu souffert pour certaines. J'ai un Arcus encore et un de mes fanatiques. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Là on a assez de bois pour le moment. J'ai construit un autre temple pour remplir. Comment? J'ai commencé à construire mes deux temples pour les remplacer les suivants. Donc là les prochains gardes c'est les rouges hein, qu'on va attaquer au centre. Par contre on va renforcer nos troupes parce qu'on va en avoir besoin. Et attends, je peux changer du bois, je suis con moi aussi. Voilà, on va racheter un peu de nourriture. Voilà, très bien. On va faire ça pour les tirs, ça au corps à corps, ça aussi. Et pour le moment, on n'a pas besoin de ça. Les Contarius, on va refaire, mais pas tout de suite. Là, ils ont plus la classe Nozone. Et on va faire des archers aussi, ça pourrait être cool ça. On va les améliorer, on va faire un deuxième. Comme ça, notre ami ne sera pas tout seul. Là, ça se développe l'or, ouais. Et je pense qu'on va terminer de faire des manoirs pour tenter de continuer là. Enfin, pour tenter d'accroître encore notre population à sa capacité maximale. Ouais, ça c'est réglé, parfait. Pour le moment, il n'y a plus rien qui menace la base, mais bon. Allez, encore deux manoirs. On va les mettre à côté de l'armurerie. Parfait, les archers, ça c'est bon. Est-ce qu'on peut améliorer nos forums ici? Ouais, on va améliorer parce que les points de vie des bâtiments c'est toujours cool. Et après, je pense qu'une fois qu'on aura une armée assez nombreuse, je vais pas utiliser mes Prométhéens pour une fois. Je les vois pas, j'ai pas l'utilité avec eux, je trouve. Par contre, cette balise là, elle a un petit peu trop souffert mon goût. Je vais mettre des chirobalises supplémentaires. Je pense qu'avec 4 ça pourrait être suffisant. On a la relique je crois pour qui booste l'attaque. Non. Tu es sérieux, on ne l'a pas. Non, tu me charries. Ah si. Ah non, c'est pour les archers, ça augmente leur nombre de points de vie, d'accord. Ouais, c'est vrai que 75 points de vie l'Arcus, c'est plutôt correct. Hop, tac. On va reformer un groupe. Quelques destructeurs, on va en former 4. Bah déjà deux de plus. Niveau économie, on va booster le bois, on en a assez pour le moment. Là on a plus de points de vie avec nos bâtiments, c'est plutôt pas mal. Bon, là l'économie c'est un petit peu creux, mais bon. Et je crois que je vais commencer à améliorer un de mes citoyens ici en citoyen héros. Et la nourriture, je crois qu'il y en a un ou pas? Oui, il y en a un. Et le bois? Il n'y en a pas. Voilà. Ça va peut-être aller un petit peu mieux comme ça. Petit destructeur lourd. Hein. Bonjour, moi je serai pas dans la finesse, hein. On bourrine. Par contre, ça coûte combien pour en faire des héros? 56 par 10, ça fait 560, ouais. Hop, je sais pas si c'est une bonne idée d'aller attaquer dans cet état. Je pense que je vais attaquer une fois que j'aurai toutes mes améliorations d'armurerie effectuées. Ouais, bah elles sont toutes faites. Bon, bah. Maïdorica, ça peut être cool. Il va me falloir des béliers. Et qui dit bélier? Je pense que je vais rajouter deux behemoths. Et je pense que mon armée sera optimisée pour assaillir les gardiens centraux. Il va y avoir une relique encore, ouais. J'ai plus 4 chirobalistes, j'espère que ça suffira. Par contre, toi, tu vas aller un peu à l'abri. T'as bien souffert, mon vieux. Tiens, on pose un behemoth. Allez, quelques archers supplémentaires. On va rajouter 4 de chaque. Ça fera 4 plus 4, ça fera 8. Plus les deux dont on est de base, ça fera 10. Ça fera plutôt une bonne armée, je pense. Hein. Par contre, j'ai l'impression qu'il me manque un citoyen. Bon bah les deux behemoths c'est le bonus. Hein.
Et peut-être deux chirobalistes. Ouais, toujours plus de chirobalistes, c'est pas mal. Et je sais pas s'ils ont pas d'amélioration, à part les dégâts, non. Pas vraiment. Là c'est bon, parfait. Ouais, il manque un citoyen. Bon, bah, on va recréer un. Je suis pas empeuré pour un citoyen, mais bon. Tu vas me créer dès que tu peux deux myrmidons. Comme ça, l'armée sera assez étoffée, je pense. Par contre, là, j'ai l'impression que le taux de collecte de ressources est un peu long à mon goût. Ouais. Parfait, très bien. Notre ami peut. Est-ce qu'il aura assez d'hommes là-dedans? Que tout le monde a été formé, parfait. Allez, on y va. On va attaquer les gardiens centraux maintenant. L'armée là, elle va popper. Ah. Regardez-moi ça, les amis. C'est le con. Ça arrive, hein. Et en masse. Ça vous va comme ça? Par contre, mon oracle, je vais le garder un petit peu en retrait, si vous pouvez. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie de le perdre, vous savez. Ça serait bête. Bon, bah là, on a une nouvelle relique. Je sais pas ce que c'est. Je verrai après. Alors là, on a tout. Oh! L'armée scandinave. Allez, le motiver. Hop, on va déconstruire une tour. Tirer dans le tas, feu à volonté. Bon, bah là, l'armée scandinave, hein. Massacré. Envoyez les behemoths s'il vous plaît sur les casernes. Ah, il y a une autre tour là-bas. Castor où t'es? Castor, castor, castor. Bah ça va, j'ai rien dit. Destructeur. Et j'ai même pas encore transformé mon armée en héros pour vous dire. Ça, cette relique, faudra la garder. Galet d'acier, ça peut jouer de cool. Excellent. Donc on a détruit une base avancée, j'ai l'impression. Là, y a... on va explorer après. Hein. Donc là, on rush. Oh, il y a du fort de la colline, là. J'aurais peut-être dû garder mon pouvoir de destruction pour lui. Mais bon, je pense que les myrmidons et les behemoths et les destructeurs, ça devrait être largement suffisant. Castor, tu peux t'occuper de lui, s'il te plaît. Allez, un de moins. On continue le nettoyage. Ah, il y a une tour là-bas. Feu. Le forum, il doit être pas loin, alors. Allez, allez, allez bébé, allez les bébés, on y va. Les bébés, les bébés, les momotes, les behemotes. Bon, on a... allez, go, 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 go. Vous rushez le forum, les gens. En faisant ça, vous redétruisez leur économie. En plus, ce qui est bien, c'est que le behemoth, comme il se régénère, bah, je m'en fous un peu. Enfin, avec tout le respect que j'ai pour eux. Bon, là, vous voyez, les gardiens du sort n'ont pas vraiment posé une grande résistance. Mais bon. Ils sont déjà règles. Parfait. Chirobaliste, occupez-vous de ces tours, vite. C'est bien ça, c'est bien. Donc là, je crois que les rouges, ils sont un petit peu mal barrés. Hein. Alors, j'ai quelques pertes, j'ai l'impression, ouais. Oh, une caserne, allez la raser, s'il vous plaît. Deux casernes, allez les raser. Ah, ils ont attaqué mon unité la plus faible, c'est pas grave. Par là, vite. Chirobaliste, vous pouvez vous regrouper et essayer de faire un tir sur le temple, là, s'il vous plaît. Là, je pense que le combat central est gagné. Bon, par contre, il y a un truc qui me dérange, c'est ce chariot à bœuf, si vous pouviez l'abattre. Je vous en serais reconnaissant. Archer. Oh, il y a encore des troupes, là. Parfait. Allez, les gars, explorez un peu ce qu'il y a au cas où. Il y a une relique, c'est quoi? Ah, ça c'est bien. Cette relique là, elle est cool. Castor, t'es où? Où êtes-vous, chef? Il est là. Je vais le prendre. Parfait. Temple numéro 2. En route. Tac. Ensuite, mon armée, je vais la regrouper ici. Les rouges ne reviendront pas, je pense. Parfait. Alors, bilan de l'armée, qu'est-ce qu'on a?
Alors, on va recruter encore deux, quelques arcus par-ci par-là et ce sera bon, je pense. Oh, mais mon taux de ressources a bien évolué, ça, je l'ai pas vu. Les mines d'or, ça se passe plutôt pas mal. Mais bon, on a encore une belle mine d'or aussi. On a plus de nourriture, par contre, c'est un peu chiant. Mais bon, on va construire un forum. On va récupérer les fermes qu'on a là-bas. Irrigation, on va améliorer ça. Plus de bois. Oh. Ah bah, on va ramener tout ça là. Eh ben en tout cas mon armée elle a bien massacré tout le monde. Et en plus je les ai même pas transformés en héros, c'est ça le pire. Enfin. Les myrmidons, pour certains peut-être. Ah j'ai l'oracle aussi, tiens. Ouais, bon ça je le fais pas besoin. Je pense que la mission elle est bientôt finie. Hein. Il suffirait juste de trouver un accès chez le violet, c'est gagné, je pense. Mais je recrute toutes les troupes disponibles. Ouais, la cavalerie j'en ai peut-être plus besoin. Là j'ai mes deux navires de pêche qui sont au boulot, qui font très bien le job. Il y a ce pauvre navire des gardiens de l'Est qui est paumé. Là ils ont atteint l'âge héroïque, ça va pas rigoler par contre. Là il faut pas qu'on traîne niveau amélioration. Alors, 10, ouais, on va rajouter 2. On va rajouter. Ah j'ai plus de nourriture. 500 de nourriture s'il te plaît, vite, hop. Tac, tac, c'est bien. L'armure est prête. Et après on fera une amélioration de héros. Et assez massive. Par contre, j'ai oublié la relique, mais bon, tant pis. Hop. Les chirobalistes sont dans quel état? Ça va globalement. Et je vais en rajouter deux, ça peut être pas mal. Ah si j'ai de la place, j'aurai pas la place, je crois. Non. Excellent. L'oracle, il est où, lui, dans tout ça? Parce qu'il est un petit peu. Il doit être un peu esseulé, le pauvre. Hein. Et là, on a une relique, j'ai oublié aussi, c'est pas cool, mais bon. Tant pis. Mais bon, pour la mission, je vous avoue que j'en ai pas vraiment besoin. Oh là là, quand je vais avoir toute mon armée en héros, ça va être. Là, ça va être inop pour eux, je pense. Donc, du coup, je vais booster ça. Hop. Il nous faut plus de villageois à la nourriture. Des villageois plus efficaces à la nourriture, donc bon. Oh, pardon, il lui construit même pas. Allez au boulot, les gars. Allez. Toute l'armée est prête. Peut-être que si je recrute encore un behemoth, ça pourrait ça faciliter l'assaut contre les gardiens de. Alors, si ça, c'est les gardiens de l'Est. Ça, c'est les gardiens du centre, logiquement. Eux, c'est les gardiens de l'Ouest. Si la logique le permet. Donc, lui, il est bientôt en route. Bébé 3 est en route. Parfait. Je peux pas faire grand-chose encore. Alors, ça vient. Excellent. Collecte de nourriture, s'il vous plaît. Donc là, pour moi, on n'a plus assez de nourriture. Bon, bah, on va y aller, hein, en route. Il faudra encore attendre 1 minute. Mais on va essayer d'aller jeter un oeil quand même. Hein. Les trois bébés sont là. Ils sont neufs. Ils sont beaux. Les archers, est-ce que je peux pas vous améliorer en héros sans nourriture? Je sais plus. Alors, essayons de cliquer sur un Arcus au hasard. Ah, bah voilà! Par contre, j'ai oublié de recruter 3 Arcus. Tac, on va récupérer, on va rattraper ça. Ouais, très bien, très bien. Ça, c'est un contre-cavalier, Catapeltes. Je suis pas fan de l'unité, personnellement, mais bon. Après, j'ai les Myrmidons qui sont assez polyvalents, c'est pour ça que je préfère les prendre. Je pense que 2 chirobalistes en plus, enfin, si j'ai la place. Ah non, j'aurais pas la place. Là, il y a une relique, c'est quoi? Oh, ça c'est bien, mais bon. On va avancer. Hein. On reste prudent. Monsieur l'oracle, est-ce que vous pourriez juste passer en éclaireur, s'il vous plaît? Juste pour voir ce qu'il y a. Il y a des chemins. On dit que tous les chemins mènent à Rome, mais là je sais pas où ça va encore nous mener. Ouais. C'est un cul-de-sac que tu vas voir. Oh, une relique, c'est quoi? Ah, l'armure d'Achille, ça aurait été cool, mais bon, là, vous voulez que je la mette où? En plus, on a encore une déconstruction en réserve, c'est plutôt cool. Donc là, on a encore 2 points de population, bref, mais bon. Parfait. Le champ s'élargit, vous voyez que l'oracle est en train de. Ah, bah là, il n'y a plus d'or. Ok, vous allez là-bas. Oui, mais ferme ta bouche, toi. T'es le prochain sur la liste. Voilà. Oh! Une tour. Mais bon, on va pas l'utiliser tout de suite. Quoique. Voilà.
On commence le nettoyage. Oh, ils ont un géant du givre, les bougres. Par contre, 68. On va essayer de les recruter au maximum, vite. Alors là, ça va être un carnage. Arcus héroïque, s'il vous plaît, vite, occupez-vous d'eux. Et vous, passez aussi en héros. Parce que lui, là, il m'a l'air un peu vénère, ce géant. C'est bon. Je crois que là, la mission, elle va bientôt être terminée dans quelques minutes. On voit le forum ennemi, déjà. À l'assaut du forum, allez. Destructeur, en avant. Voilà. Regardez ce qu'on lui met au forum. Et les bébés sont pas encore arrivés. Ah non, pas le gel, non. Salaud. Ah putain. Je dois attendre 43 secondes. Bon, je doute qu'ils puissent faire des dégâts vu l'armure qu'ils ont avec le gel. Bon, en attendant, c'est pas mal. Oh putain, t'aurais pu venir toi aussi. Allez. Tu peux venir à la fête, mais bon, ça ferait compte de faire venir un soldat pour ça. Allez, 20 secondes. Bah là, le forum est quasiment mort. Ils sont, pour moi, ils sont cuits, là, c'est fini. Comment ça, Castor aussi, je l'ai, t'es sérieux? J'ignorais que ça fonctionnait sur les roues, mais bon. Non, la prochaine fois, je le saurai, les amis. Bon, on va faire comme ça, hein, pour le fun. On va boost. Là, on n'a plus rien à faire, là non plus. Le marché, on va faire quelques technologies. Soldat envoyé. Oh, bon, bah là, hop, parfait. Feu. Bébé, en avant. Le troisième est occupé ailleurs. Ne me demandez pas où, je n'en sais rien. Destructeur, occupez-vous de tout ça, s'il vous plaît. Vous avez du boulot. Parfait. Bon, voilà. Je pense que la mission est finie, globalement. Donc, ça aura duré quoi, environ 40 minutes, moi, je pense, de ce que je comprends. On rush. Allez. Allez, raser ça là-bas. Et je pense que là, les violets, ils sont cuits. Ah, un temple. Voilà. Bon travail, messieurs. Ah, une caserne aussi. Bon, bah, bébé s'occupe du temple, pendant que les autres, bah, ils s'occupent. Allez. Oh, lui, il n'a pas eu le temps de faire un geste. Regardez-moi ce beau bébé. Ah, le dernier temple est là. Voilà. Bébé, à toi. Oh, encore une tour. Ah, ils ont tenté de défendre le temple, mais moi, ils n'ont pas eu le temps. Donc moi, j'ai vite rushé l'économie au début, globalement, et formé une armée. Par contre, là, il va falloir faire quelque chose, les gars. Ah, attention. Hussard que rebelle en vue. Bébé, tu peux aller voir s'il y a un truc là-bas, s'il te plaît. On va contourner le temple, là, on va pas se casser la tête. Ah, et on voit les deux corbeaux d'Odin qui nous surveillent, hein, qui sont prêts à lancer des malédictions. Venant d'Odin. Oh, un fort de la colline. Allez, les gars. Oh, deux forts de la colline. Allez, allez, à l'assaut. Et transporter le temple. Allez, hop. Ils avaient déjà prévu leur coup, les petits bougres. Allez, hop, un temple en moins. Enfin, un fort en moins, plus qu'un. Ouais, on va pas trop s'approcher de la zone. J'ai pas envie de me faire électriser. On se retire parce que là, on se prend des dégâts. De toute façon, là, c'est gagné, hein, clairement. Ouais. Y'a plus rien qui devrait revenir. Oui. Le dernier temple est en place. Excellent. On va approcher Castor. Bon, déjà, on va affaiblir un petit peu les tours, les défenses. Allez, hop. Une tour en moins. C'est un bon début. Alors que mes archers auront une punaise de belle armure, je suis assez impressionné. On va tirer dessus. Donc bon. Bon, bah, désolé, tour d'Odin, mais bon, tu dois être déconstruite. Au revoir. Voilà, et là on va détruire le marché avec ce qu'on a de troupes encore. Voilà, la tour, elle, vous voyez bien que les tours, elles tiennent pas. Voilà. Hop, deux tours en moins.
Et voilà, la mission de destruction de la tour d'Odin, enfin, de déconstruction de la tour d'Odin est terminée. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu dans la vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé de ma stratégie. Et puis je vous avoue que ça fait 4 tentatives que j'ai essayé et c'est seulement celle-là que je viens de réussir. Allez les amis, je vais vous laisser là. Salut à toutes et à tous, c'était Kaiser Von Karstein de Planète Total War. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures les amis. Au revoir!